Et bonjour à tous, nous sommes le 10 avril 2016 et nous sommes sur etc. en compagnie d'un groupe lycéo. Mais qui êtes-vous? Zut. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, rappelons-nous, qu'est-ce que c'est lycéo? Eh bien, lycéo cette année, figurez-vous, fête ses 10 ans. Oui. Bon anniversaire. HB. Merci pour eux. Alors cette année, 13 groupes lycéens ont tenté leur chance aux sélections dans chaque MDL de chaque lycée de La Rochelle. Et 5 groupes ont été sélectionnés, dont vous, Zou. 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 Alors déjà, on va calmer direct. C'est mal. Ah, ça, c'est le premier truc déjà. C'est mal ce prononcer. Je ne l'oublierai pas. Et vous jouerez le 3 juin 2016 à La Sirène. Ah, c'est possible. Oui. Et... ah, il y a nos lèvres. L'annonceur vient d'arriver en retard. Voilà. Voilà. Comme tous les batteurs. Donc c'est un groupe. Mais non, Nolan, viens, tu dis bonjour Nolan. Et voilà, bonjour, Nolan. Du coup, okay. Ce sera le 3 juin 2016, ce sera un vendredi. Donc nous vous invitons tous à venir. Nombreux. Élèves, parents, enseignants. Pas trop parents. Voilà, si tu es cantinière, tu peux venir aussi, ça marche. Nous, on t'accueille. Ça fonctionne. Et les billets seront en pré-vente dans les lycées à 3€ la place si tu es chanceux et 5€ si tu n'es pas chanceux. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas marrant. C'est pour les adultes. C'est adhérent à la MDL. Voilà. Il y aura des navettes gratuites pour que vous puissiez rentrer en toute sécurité. Voilà. Et cet événement lycéo est financé par la région Aquitaine Limousin Poitou Charentes, cette nouvelle région. Grande région, on précise. On précise. La Sirène, l'association XLR, la ville de La Rochelle, la communauté d'agglomération de La Rochelle, Radio Collège 95.9 et les lycées de La Rochelle. Et on remercie aussi tout particulièrement les animateurs culturels sans qui rien Merci. Ne serait possible aujourd'hui. On vous aime. Et ça va être une grosse tuerie. Voilà. Une grosse soirée, on annonce ça. Mais bon. Vous voulez en parler? On peut partir sur le. Voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être excellent. Coolex. Bon, alors aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Zou. Voilà. Mais on n'est pas au complet aujourd'hui. Il nous manque donc 2 membres qu'on présente rapidement. Il y en a voilà. Qui est d'arriver déjà. Attends, je vais présenter. Alors là, il y a le premier, celui qui parle, JB. Bonjour. Je m'exprime, je m'appelle JB. Donc c'est JB. Oui, donc JB, c'est chanteur, rappeur. Là, il y a Théo. Oui, c'est moi. Salut Théo. Salutations. Là, il y a Nolan. Bonsoir. Voilà. Et oui, c'est Beatboxer. Beatboxer. Alors moi j'appelle je suis guitariste. Celui il y en a deux qui sont pas là, il y a un batteur qui s'appelle Jojo, c'est le plus petit. Un bassiste oui, bah, quoi c'est batteur, ça commence par oh c'est sale fasciste. A... c'est chaud. Et il y a genre et du coup l'autre guitariste qui s'appelle Demian. Voilà. Et ouais. Du coup en tout on est 6 mais là on est que 4. Voilà, la tristesse. 3,5 parce que nous n'avions pas plus de micro, donc ça va. Mais voilà. Donc nous, on voulait rentrer un peu dans votre intimité et savoir quelles sont vos relations. Est-ce que vous êtes juste un groupe ou des potes ou plus? Alors, vous avez le suçon que vous voyez dans votre okay, il est énorme, il est énorme. C'est JB. Je suis le responsable de cette chose. D'accord. Voilà, donc on n'est qu'amour et licorne entre nous. Ouais, non, on est... Voilà. Je pense En fait, c'est fusionné un peu. C'est ça. Parce que c'est pour ça. C'est la planète Zion. Est-ce que ça s'est arrêté au suçon? C'est on va pas savoir. Alors, oui, donc. on disait. Question. Non, vraiment. On est. On s'est rencontrés, nous deux, on s'est rencontrés. En fait, on s'est un peu tous rencontrés ensemble, à part toi et moi qui étions amis, et Jonathan et Mika qui étaient amis aussi. En fait, on s'est tous carrément mis ensemble, on va dire, en gros, dans une espèce de d'osmose méga cool. Ouais, on s'est rencontrés, donc en fait, en octobre, lorsqu'on a formé le groupe, et depuis, on se lâche plus. Ah d'accord, donc c'est tout oui, nouveau c'est au final. Ouais, c'est tout récent. C'est-à-dire, il y a un an, je faisais pas de musique, on m'aurait dit « Ouais, tu vas aller jouer sur à la sirène !» Moi quand même, j'ai connu une époque où JB et Théo faisaient quand même une petite chaîne YouTube avec des reprises de musique. Donc... Oh, ça oh, balance non, quand ouais, même. On sait quand même que l'influence musicale allez voir, était allez voir, là. Allez voir, allez voir. Et voilà. Du coup... salut Nolan. Quelles sont vos influences musicales hein, parce ouh, que alors on commence de gauche à droite, vas-y JB. Rap. C'est bon. Je sais pas si voilà des idoles. La chanson française à texte, rap américain, un petit peu plein de mélanges, plein de trucs coolex. Voilà. Toi Théo? Alors moi beaucoup de rap américain, Eminem, Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar. Et on en passe. À l'ancienne. Vas-y, Nolan, s'il te plaît. Moi beaucoup d'instru du genre Mr. Troy ou Grammatic et surtout de l'électro. Moi pas du tout. Ça c'est éclectique. De base je suis métalleux. Ensuite, j'ai arrêté d'être métalleux et je suis passé sur genre tout ce qui est Pink Floyd, Radiohead, donc les musiques qui sont censées faire planer un peu plus. Je crois que quelqu'un te dit bonjour. Bonjour. Il a dit bonjour. Voilà.
Ah bah voilà, et voilà, et c'est là pour créer les crèmes. Hein. Et donc du coup, voilà, moi c'est plutôt rock un peu, mais rock, le rock progressif, un peu psychédélique, voilà. Pas trop commercial. Voilà. Là, c'est passé, c'est dit, là. Enfin, pas trop commercial. Message politique. Message politique engagé. Alors que Pink Floyd, c'est le Dark Side of the Moon, c'est le troisième album le plus vendu de tous les temps. C'est pas grave. Ouais. On les aime quand même. Et du coup, est-ce que vous pourriez définir un style de votre groupe, enfin, cette unité dont vous parliez, est-ce qu'il y a un style particulier ou justement, c'est cet ensemble qui fait que... On aurait pu définir ça sur un groupe de rap si on n'avait pas fait une chanson qui s'appelle Le Rêve de Flututu. Voilà. On peut voir sur Salmonia. C'est une espèce de délire. C'est 18 minutes de deux accords où dessus il y a eu des improvisations qui se sont faites et des vocalistes de Nolan ici et c'était magique, particulier. Là, moi j'ai pas compris, c'était excellent. C'est vrai que le style c'est Zul, quoi. Ouais, alors à la base un petit peu du rap un peu avec des délires acoustiques, jazzy folk, un peu tout le truc, puis c'est parti en couille. C'est un bon résumé de la musique, c'est ça, voilà. Bon, on peut faire de tout, c'est chouette. Voilà, alors est-ce que vous pourriez nous donner une musique pour fêter le bac? Musique pour fêter le bac. Oh. J'aurais dit Aïe de Kendrick Lamar. Aïe de Kendrick Lamar. Ou Dans ma ruche de Gizmo. C'est des morceaux qui me font kiffer, genre ultra joyeux. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça dépend si la personne a réussi ou raté le bac. C'est important de le préciser. Ah non, parce que s'il écoute Kendrick Lamar alors qu'il a raté le bac. Ouais, c'est chaud. C'est pour lui remonter le moral. Voilà, tu dis que t'as pas développé, t'as peut-être le rattrapage. Kendrick Lamar. Eminem pas trop parce que c'est plutôt vénère quand même, Eminem. Bah si t'as raté ton bac d'anglais, ça fait un peu mal. Mais... c'est Ouais, et du coup toi Nolan? Clairement, je sais pas. Hein. Ah, je sais pas. Voilà, il a pas perdu. Non, et du coup une musique pour la paix dans le monde. Oh, là, oh, la fin de leur album I Am. Du coup, le rêve de Flututu. Oui. On s'attendait à Imagine de John Lennon, c'est pas ça. J'allais dire ça, mais je trouvais plus original parce que Imagine c'est genre le truc absolu. De Michael Jackson. Il y a la paix dans le monde. Vas-y, meuble pendant que je cherche. Non, je pense à la fin de leur monde. Donc vous pouvez voir une reprise sur ma chaîne YouTube. Chez vous, vous tapez la fin de leur monde cover, vous allez voir ça tout de suite. Ascend Them de Pink Floyd. Ascend Them de Pink Floyd. Oui, je dis oui. C'est validé. Oui. Je dis oui. C'est un grand Ouais. C'est gagné. Du coup, non, il y a pas de souci. Et du coup, on voulait savoir pourquoi Zu. Parce que apparemment, il y a une histoire un peu épique derrière. Oh là. J'introduis juste. On introduit. Alors. On va dire tout de suite. Zu, donc Z U tréma. Ouais. Ça veut dire rien du tout. Wow. Merci. Ça n'a aucun sens. Merci. L'année prochaine. Ça me gêne. Ça n'a aucun sens. Personnellement, je peux pas trop vous en parler parce que je suis arrivé. Ils étaient déjà en mode Zu. On a trouvé, c'est Zu. Et du coup, mais voilà. C'est une illumination. En début d'année, on avait un peu projet, enfin un peu de musique cette année. On s'était un peu rencontrés déjà la plupart d'entre nous du groupe, mais on n'était pas encore tout à fait fixé sur le nombre ni les personnes qui étaient dedans. Ouais. Puis on va pour répéter au studio un mercredi après-midi. Et avant que ça ouvre, on va en salle de perm où il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'on a commencé à écrire des trucs au tableau, donc on a écrit des équations faisant intervenir des huîtres et du Cantal et Marine Le Pen. Ouais, voilà, je leur ai fait un petit cours de mathématiques avec des huîtres. Donc, voilà. Donc huître au carré égale Marine Le Pen. Voilà on peut en parler. Et à la fin, ça s'est fini en délire psyché, on a écrit ZU en gros, et on s'est dit ça c'est pour nous. Voilà. Et voilà d'où ça sort. Bah c'est beau. C'est né du chaos, c'est né de l'absurde. C'est comme nous en fait. On est né de l'absurde et bah le nom c'est pareil. À garder plus tard ça. Et du coup, vu que c'est un peu absurde tout ça, vous avez quand même une devise de groupe ou pas du tout? Ah non. ZU. Amour. Ouais, ZU. P égale lui, attention. P égale lui, énergie cosmique. Voilà. Et flututu. Flututu normalement. Si vous extasie sans être statique. Voilà. Si vous écoutez genre. Je prends ça, mais... Si vous écoutez avant les musiques, je vais pleurer. Normalement, il y a souvent un petit flututu qui est casé. Ça a une signification particulière. Voilà. On va introduire flututu. C'est pour les intimes, ça. Voilà. Alors, en gros, il y a une planète ZU. En fait, dans la tête, dans l'imagination, il y a une planète ZU. Une belle planète. Orange. Ouais, belle planète orange. Bien, bien. Et orange. Le premier habitant de la planète ZU s'appelle flututu. C'est un peu un demi-dieu. Et en fait, pour parler, il est obligé de parler en note de musique. Et voilà. Nolan. Balance flututu. Non, pas... flututu. Voilà. C'est un peu exactement. Mais voilà, exactement. Absurde total. Mais alors j'imagine qu'un groupe comme vous a forcément un rituel avant de monter sur scène. Et là c'est le moment gênant parce que si vous en avez pas, vous êtes obligé d'en avoir. Alors on a eu deux rituels avant de monter sur scène. Déjà on a mangé un sucre. Le sucre. Alors déjà on s'est donné une petite dose de diabète histoire 2 quand même. Histoire de bien penser, voilà. Et ensuite on est allé
Faire pipi sur un arbre. Oui, oui, je m'en rappelle. Exactement. Genre, juste genre 5 minutes avant de monter sur scène, on est là en mode. Non, sur un mur, moi. Sur un mur. Ah oui, genre on est là en mode. Oh, mais il y a un problème là. Et du coup, ils sont allés. Voilà. Ouais, on arrive à rater nos balances aussi. Ça, c'est fort. On dirait pas exactement tous les bails, mais on arrive à rater nos balances, c'était chaud. Et du coup, vous avez eu d'autres occasions de faire des concerts avant de montrer. Alors, non. Votre. On a fait ça en soirée. Ouais, on a fait ça. Mais à partir d'une certaine dose d'alcool dans le sang, on n'arrive plus à jouer. Ouais. C'est ce qui arrive. On n'arrive plus à rapper, c'est ce qui arrive. Ouais. C'est un peu chaud. C'est. Donc, une vraie scène, on en a fait qu'une seule. Ouais. Et on en a une jeudi. Ouais. Demain. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on va monter sur scène, ce sera toujours que notre deuxième scène. Mais vu que cette émission est diffusée le 10 avril, je vous le rappelle. Bonjour. Ça sera passé. Il est vrai, il y en a. Là, alors, la scène ouverte était vraiment géniale. Ah ouais, on s'est éclaté, franchement. Ah, c'était beau délire. Ah là. Mais non, mais au niveau des scènes ouvertes, on est prêt et confiant. On prévoit de jouer à la FTL aussi également. Faites en lycéen. Bien trouvé, nous serons là. Voilà, nous serons là. Nous serons là. Merci beaucoup. Le talent pour le français. Nous serons là, oui, bien sûr. Et donc, ainsi qu'un petit concert ou des scènes ouvertes à Lyon ou des choses comme ça, on prévoit. Ouais, alors Lyon c'est plus chaud, mais on va essayer. Puis aussi à Lycéo, bien sûr. Bien sûr. On arrive. Justement, on voulait savoir. Oui. Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que c'est quand même monté sur la sirène. Confiant. Pré-confiant. Non, pré-confiant. J'ai envie de dire, c'est Coolax. C'est Coolax. C'est Coolax. Ah, oui. Voilà. Expression. On a une norme qui est imposée. Voilà, pour toutes les questions sur notre attitude, nous sommes prêts et confiants. Voilà. Ce qui traduit évidemment un manque de confiance énorme en nous. Voilà. Sans vouloir le cacher. On est prêts, mais on compose plutôt sur le fil en fait. C'est ça. Si vous voulez, c'est-à-dire les. Le quoi? Pas électrocuté. Oh c'est ça tout le temps. En gros, le truc, c'est que par exemple, Planète Zoo, c'est celle qu'on a composée en premier et qu'on a vraiment bossé. Les deux autres morceaux qu'on a fait passer à la sirène, on les a fait en deux semaines. Parce qu'en fait, deux semaines avant, on a réellement fait. C'est dans deux semaines, ok, on est pas bien les gars. Il nous manque de musique là quand même. Et du coup, on a bossé et puis on a accouché de ça. On n'est pas du tout dans le même cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans deux mois de lycée et puis on est prêt. Voilà, là, on a tous nos morceaux de prêt. On a tous nos morceaux de prêt. Voilà, c'est super. Ouais, non, mais d'un autre côté, on a fait une répète encadrée avec beaucoup d'autres groupes, enfin avec les autres groupes quoi. Et puis on en est à peu près au même. Et c'était. Il y a quand même du niveau en face. Il y a du niveau, ça va être une belle soirée. Ça va être dantesque. Nous on a été. Et puis c'est les 10 ans, alors là. Ça va envoyer. Ouais. Et du coup, pour. La bulle de champagne est interdite nous pour l'instant. Nous imprégner un peu de ce style musical, je vous propose d'écouter Planète Zoo. Du Zoo. Je vais pas y arriver du tout. Donc Planète Zoo du groupe. Zoo. Oui. Voilà. Et on attend le petit bruit. Quel bruit? Tu lulu. Ah non, mais du coup que tu c'est sur le c'est dans la musique, c'est mais sur attends. Le film. On peut en faire. Vas-y Nolan, un petit. Non. Voilà, c'est tout. Voilà. Bienvenue sur la planète Zoo. Merci d'avoir choisi Erzu pour votre trajet. Jamais ne renier, c'est pas faux. La température extérieure est de 69 degrés. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Planète Zoo, yeah. Ok. Flûte du Planète Zoo. Ok. Tout
sans dérime de l'espace. C'est les yeux qui débarquent, qui arrivent, ils sont des vents, des jeunes fous, des défiants. A vous, c'est déroutant, étrange phénomène. Un groupe sans délinquants qui rappe sur la scène. Comme diraient deux amis, c'est pas du rap, c'est de la musique. On fait ça mieux chez nous, c'est pas mélancolique. Entre nous, y'a peu de tension, juste un courant magique. C'est la puissance, t'es égale, lui, énergie cosmique. On vient d'arriver sur Terre depuis la planète Zu. Ça nous change, c'est sûr, mais on s'y habitue. On a le droit de parler, c'est pas une dictature. Pourtant, ma seule envie, c'est de crier pourvu que ça dure. Dans mon vaisseau, y'avait mon cahier et mes potes. Ils m'ont dit, on joue, croit qu'on crie, on vient s'éclater. Sans d'autres riffs de taré, faut son flow qui dépote. On va convertir tous les stars de la Voie Lactée. C'était ni la plus brisée, ni la plus connue, mais j'ai quand même décollé pour la planète Zu. C'était ni la plus brisée, ni la plus connue, mais j'ai quand même décollé pour la planète Zu. Par suffrage universel, plus vraie nature, on s'extasie sans extasie, sans être statique. Et un rime, on excelle en studio, sur la scène, sur Paris ou sur Rennes. C'est la magie, le beat en rythme, on s'hypnotise avec de simples mots. J'ai quand j'entends dire que le rap est mort, il est en symbiose. Les petits se mettent à gratter, les MC commencent à snapper pour des histoires de gay, pour des histoires de buzz. Mais cela rien dans le crâne, tout ce qui compte pour eux c'est vrai. Quand tu leur parles de rap conscient, je te parle de rap de peureuse. Dieu est au sommet, en haut de la liste, on n'a pas peur des apeurés. On fait notre business, bientôt on fera peut-être un feat avec Eminem. Alors dégage notre piste, on prend de vitesse. Moi je rap que la vérité, pas de gun de débilité. Les rappeurs en carton sont obsédés par la virilité. La crédibilité est un facteur à la facilité. Donc on est invincible face à tous ces idiots sans dignité. Planète Zu, ouais. C'était ni la plus brisée, ni la plus connue, mais j'ai quand même décollé pour la planète Zu. C'était ni la plus brisée, ni la plus connue, mais j'ai quand même décollé pour la planète Zu. C'était ni la plus brisée, ni la plus connue, mais j'ai quand même décollé pour la planète Zu. Ni la plus brisée, ni la plus connue, mais j'ai quand même décollé pour la planète Zu. Et bien maintenant, nous, nous sommes de retour avec... Yo, courte pause. Bonsoir. Bonsoir. Avec Zu. Toujours. J'allais dire Zu. Vous allez me taper à la fin. Un peu. Mais bon, c'est pas grave. Je suis calme. Donc, est-ce que, voilà, on sait qu'il y a du beatbox parmi vous ? Oui. Salut. Alors, salut. Est-ce que chacun d'entre vous, vous vous sentez un peu capable de nous faire votre meilleure imitation ou votre meilleure interprétation ? Moi, Théo, je vais te demander, je te le demande comme ça. Tu nous as fait un petit rap god il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu pourrais recommencer ? Ce serait chouette. Je pense que t'étais pas prêt. Il faut se chauffer. Je peux faire lose yourself si tu veux, mais rap god, il faut se chauffer avant. Tu fais comme tu veux, je vous laisse. Moi je pense que Rap God pour en claquer, mais. Ouais, bon, on va faire le jour self, il va faire les bacs. Ouais, je vais backer, je vais backer. Ce sera plus simple comme ça. On est là. Ok. Tu fais un beat, Nolan ? T'inquiète pas, près du micro parce qu'il est réglé pour que tu parles dedans. Oui, je te le rappelle. Bonsoir ! Comme ceci, c'est bon. Bon, allez, vas-y. Nickel. Palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. He's vomiting on his sweater already. Mom's spaghetti, nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's joking now, everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, blah. Wouh, merci, okay. C'était super chouette. Ça c'était bon, ouais. Et du coup, quelqu'un d'autre? Ah, ça peut partir sur j'ai mal au mic. Oh, tu peux partir là-dessus ? Je te back. Ça dépend. Ah, j'ai un trou de mémoire, attends. Sur quoi ? Le refrain ou les couplets ? Bah. Tout. Le ouais, vide. Non, ça peut. C'est toujours bien de réviser ça. Ah, laquelle ? Attends. Attention. Laquelle de j'ai mal au mic ? Vas-y, commence, fais un beatbox. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Auditeurs et spectatrices, applaudissez ce charismatique pratiquant du rap magique. Je marche dans la vie, un Walkman et un pack de piles pour pas être en panne dans la cabane en cas de kidnapping. Ainsi dans la banane au chaos. Tu croyais que j'allais sortir du ring au premier chaos. Je reviens te tuer sapé en arbitre. Et en plus, il n'est pas rappeur. On précise, incroyable. C'est la première fois qu'il fait du rap à jamais de sa vie. Et c'est sûr, suis... et c'est la dernière. Hein. on est sur quelque chose d'unique. Radio Phoenix. Voilà. Etc. Quand on est musicien, c'est qu'on n'a pas la voix pour chanter.
Ok. Oh, j'étais pas prêt. Beaucoup trop de talent dans ce sec. Est-ce que il y a des musiques que vous écoutez parfois et que vous vous dites tiens j'aurais bien aimé la composer celle-ci? Alors là, oui. Alors moi il y a l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Je me dis, ça sent toujours les mêmes bails. Mais non, mais attends, mais je vendrais mon âme même pour cet album. Même référence quand même. Hein. Ah, mais c'est cet album. Le jour où je l'ai écouté, j'ai su ce que c'était pour moi la musique, tu vois. Oh, avant j'écoutais des musiques, j'étais là, j'étais ouais c'est sympa. Et là un jour j'ai vu ce CD, j'ai fait attends il faut que je l'achète. J'ai acheté, je l'ai écouté, j'ai fait oh putain c'est de la musique, mais c'est pire que de la musique quoi. Sauf la deuxième musique. Mais est-ce qu'on pourrait appeler ça un orgasme auditif ou pas? Mais rien quand les gens disent Dark Side of the Moon, je peux convulser, tu vois. Je devais avoir une érection en entendant Dark. Voilà. Dark Side of the Moon, Dark Vador, tout ce qui est. Non, qu'il mais au niveau musique. Bonjour. Oh, bonsoir. Bonsoir. Coucou. Au niveau des musiques, tu disais c'était quoi la question exactement? Au niveau des musiques, qui pourrait et que vous auriez pu, que vous auriez aimé composer. En tant que fanboy, j'aurais dit Bohemian Rhapsody de Queen, mais je ne peux pas. Parce que c'est Freddie Mercury voilà. Et que personne t'as ne remplace pas le droit, t'as pas le droit. Donc, non, mais en fait. Je te coupe. Oh, je t'ai coupé de l'avion, je suis désolé. Ouais, elles sont. Lapidez-moi. Sans transition. C'est les musiques qu'on écoute, c'est. Chacun sont tellement. Elles sont tellement bien pour nous qu'on se dit, mais je peux pas composer ça. Quoi. Ouais, je pense. En spectateur, je kiffe trop. C'est donc. Je vais pas composer. Vas-y, Nolan. Donne tout. Bonsoir. Il est perdu actuellement. Non, mais sur des morceaux que j'aurais bien voulu reprendre. Composer. Composer. Ou composer. Pas d'entreprise. Limite des morceaux de Big Flo Oli. Parce que c'est pas mal cool. Et, c'est cool. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu la mode en ce moment des groupes de rap jeunes? Parce qu'on a Big Flo Oli, on a 7 et Match, même s'ils sont un peu plus vieux que nous, mais ça reste quand même la jeunesse actuelle. On avait les casseurs flotteurs qui quand même maintenant commencent à se faire vieux, mais qui a juste 24 piges. Oui, mais les groupes vraiment les groupes de jeunes, ouais. Big Flo et Oli est quand même un bon exemple. Est-ce que vous vous identifiez à eux ou vous vous sentiez plus à part? C'est pas le même délire, je pense. Bah parce qu'en fait, nous de base, après, j'aurais bien aimé répondre à la question d'avant, en fait. Vas-y. Ah oui, la musique. Attendez, on fait une pause sur Big Flo et Oli et tout, et on part sur la musique. Vas-y, j'y vais dans tout. Allez, j'y vais. Oh, je suis désolé. Non, mais je voulais juste dire que moi, l'album Dans ma ruche de Gizmo, je trouve qu'il décrit tellement une réalité que je peux pas connaître parce que je vis pas dans les mêmes conditions de vie que lui. Mais c'est un album qui me fait ressentir sa réalité. On n'a pas la même vie, mais il décrit une réalité parfaitement et avec ses joies, ses peines. Et je trouve que c'est ce que la musique peut apporter de plus beau au sein de l'environnement de la Terre, tout ça. Comme Ayam avait pu le faire d'ailleurs. Comme Ayam avait pu le faire, voilà. Vas-y Théo, exprime-toi. Exprime-toi. Dans ma ruche de Gizmo. Vas-y. Sur la musique que j'aimerais, que j'aurais aimé composer. Alors je dirais California Love de Tupac et Dr. Dre. Parce que voilà, de légende. La base. De légende et puis j'arrive voilà. Waouh quoi. L'original ou remix? L'original. La ligne de base, quand même. Hein. Non mais la ligne de base du remix est horrible. D'ailleurs il n'y a que des basses. Ça critique. Ça rien. Donc on va enchaîner. Mais non, on revient à la question de base. Oui. Deuxième question sur Big Flo et Oli. La deuxième question, voilà. Wow. Les groupes de rap, bah en fait, nous le truc c'est qu'au début on n'était pas parti pour forcément un groupe de rap, c'est qu'en fait ils s'étaient dit ouais nous on s'est rappé. En fait on était parti sur un truc qu'on voit pas souvent, c'est que d'habitude les groupes de rap ils mettent des samples et du coup ils rappent sur les samples et nous on s'est dit et si on faisait un truc acoustique qui c'est du coup délire, en fait, au départ, était c'est pas forcément vachement courant. Il y a Oxmo qui l'a fait. Beaucoup très jazz, mais du coup nous on s'est dit bah vu qu'on est un mélange de beaucoup de d'influences musicales, de beaucoup d'influences parce que on parlait des influences musicales, par exemple l'autre guitariste il est très très jazz, très funk et très bossa, et l'autre guitariste il est plutôt metal, hard rock et rock, voilà. Donc c'est pour ça on s'est dit si on fait un mélange de tout quoi César, on va t'appeler. Non, c'était mais Jojo. Je parle de Jojo. Ah, bassiste. T'as dit guitariste. Non, mais guitariste, c'est l'autre, et l'autre qui est absent, JB. Ah oui, oui. J'ai JB. Excuse-moi. Ouais, finis ton histoire. C'est vrai, finis ton histoire. Et du coup, on s'est dit, avec toutes nos influences qu'on a, on peut accoucher un truc qui peut être pas mal. Et du coup, même si c'était un peu à l'arrache à l'ICO, ils ont vraiment compris qu'il y avait un univers. Et du coup, ils ont fait ça, mais j'ai envie de dire, au niveau des groupes de rap, ouais, c'est toujours un style qui est vachement populaire. Après, ça dépend, il y a plusieurs styles de rap. Je veux dire, Big Flo Oli. C'est pas le même que, ouais, que Gizmo, encore une fois. Pas même que Gizmo, mais là encore, c'est des textes qui sont. Enfin, c'est des textes, quoi. Ouais, c'est des mecs qui ont pas de vécu, mais qui inventent des histoires et qui te racontent des histoires. Ouais. Et ça, c'est assez beau quand même. Parce que bon, il y a des musiques dans c'est le rap game où il n'y a pas trop de textes. Ah non, il va me critiquer, hein, Fanfreluche. Il critique un peu, hein.
Arrêtez de triquiter. Et s'il y avait par exemple une première partie d'un artiste que vous voudriez faire, Oxmo. Ce serait qui? Oxmo, ouais. Ah oui, ah, Oxmo direct. Aucune hésitation. Non. Kendrick Lamar. Hipster. On n'est pas au niveau. Oxmo et Kendrick Lamar. Voilà, ça marche. En même temps. Et est-ce que sinon récemment il y a un fait dans l'actualité qui vous a marqué, parce que on aime bien savoir si les artistes d'aujourd'hui, les jeunes surtout, parce que vous êtes avant tout des jeunes avant des artistes, vous êtes des jeunes, oui, lycéens. Est-ce qu'il y a des faits de l'actualité qui vous ont révolté, qui vous ont marqué, qui vous ont fait plaisir et qui vous donneraient envie d'écrire? Pourquoi pas? C'était une très longue attentats du 13 novembre. Alors moi je me suis un peu envolé, tu vois, donc du coup je suis assez distant par rapport à ça, tu vois, je suis plus sur la planète. Les attentats, tout ça, je préfère pas. On va peut-être pas prendre. Je suis pas trop dans le délire. Non, mais moi, un truc qui peut nous toucher en tant que jeunes. Ah, moi perso, il y a mon petit truc à moi qui m'a fait plaisir en début d'année 2016, c'est que les gens aient bu plus d'eau que de coca. Voilà, non, c'est. Voilà, c'est bon, ça m'a fait plaisir. C'est une petite victoire, non, mais. Quelque chose de grave qui est arrivé hier. RIP mon bro Jean-Pierre Coff. Oh, voilà. Ah oui. Voilà. Je le porte dans mon cœur. On fera une musique sur Jean-Pierre Coff. Ton café, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, moi, en tant que jeune, il y a un truc qui me pousse un peu, tu vois, à me révolter. C'est genre les engagements des jeunes en ce moment. Je trouve que les jeunes, ils s'engagent beaucoup dans tout ce qui est, par exemple, cause écolo. Hein. Alors, Sea Shepherd, Greenpeace, c'est cool, mais Sea Shepherd, c'est quand même. C'est quand même plus de gueule. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le procès du Maryland d'Antibes. Hein. Ouais, par pitié, soutenez Sea Shepherd. Par pitié, les laissez pas réouvrir. God bless. Ils lavent leurs orques au crawl. Vous trouvez pas au chlore et à la javel, pardon, au crawl. C'était fort, ça, putain. Et vous trouvez pas justement que aujourd'hui la jeunesse actuelle, elle s'engage moins, elle descend moins dans la rue, parce que là on a la loi du travail qui a fait pas mal polémique, mais rapidement, juste je vais me répéter par rapport à ce matin, les gars, mais non. Juste en sortant du lycée, on s'est fait accoster par une dame. Ouais, venez demain, on va tous aller dans la rue, il y aura de la musique, ça va être sympa. Et c'est tout. Pas ça qu'il faut vous dire, quoi. Ouais. Si on va manifester, c'est pas genre. C'est pour une cause. On va venir à la manifestation, puis il y aura peut-être des sandwichs triangles, ça sera pas mal, tu vois. Ça va être sympa. Non, mais. Tu te bats pour une cause, tu te bats en fait, pour. Après, il y a plusieurs types d'engagement. Il y a genre, je m'engage parce que du coup, je vais pas au lycée. Ou alors, je m'engage parce que je crois vraiment en la cause. Ouais. Ou alors, il y en a qui ont juste, je sais pas, ils s'en foutent. Ils sont vachement distants par rapport à tout ça. On leur dit, ça peut servir plus tard, peut-être pour toi. Ils font, oh non, je m'en fous. Donc, ouais. Ouais, bon, ils sont pas informés, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont pas informés, ils sont nourris à BFM TV. Ce qui TV. Est plutôt paradoxal, sachant qu'aujourd'hui on a pas mal de médias, pas mal d'accès à tout ce qui est info internationale. Bon, voilà, c'est. Abandonnez la télé, par pitié. D'accord, donc merci. Merci à vous. Ce fut un plaisir absolu. C'était adorable de votre part. Vous êtes des petites crèmes. Vous êtes des crèmes. Ah, merci, c'est très gentil. Et on a hâte de vous retrouver bientôt. On a hâte de nous retrouver bientôt. Et le vendredi 3 juin, parce que nous serons en plateau direct. Exactement. Et on vous re-recevra. Je sais pas voilà. Si et, très et on rappelle que c'est Radio Collège qui couvre l'ICO. Et oui, c'est nous. Voilà. Allez, bah merci beaucoup les gars, merci. Et on se retrouve à très vite. C'est super cool. Bah, c'est un plaisir. Ciao. Ciao. Old song.